L'île de Pâques est le rendez-vous des siècles. Derrière les danseuses de houla, les colliers de fleurs, les chants et les rires de bienvenue, sommeillent les vestiges d'anciens mystères, à moitié éclaircis. Visiteur du présent, je débarque sur le continent sans limite du passé. Ici, tel un touriste distrait ou un réfugié fuyant un désastre, le passé a oublié ses bagages. Les images sculptées dans la pierre. Une roche trompette creuse dont l'usage s'est depuis longtemps perdu. Échouées sur les rives du temps, les célèbres statues, ou Moai, semblent encore attendre le retour de ceux qui les ont abandonnées. 1, 2, 3, 4, 5. There were 6. And what six is originally, it? Yes. Mm-hmm. Is there any project to restore it? No, it's broken into a great many pieces. Okay. And can't be rearranged. But the one on the other side is eroded to almost nothing. Yes, that one too was found in the sea. Comme des cavernes sous la mer, les épisodes de l'histoire de l'île échappent au regard. Une histoire qui recèle une solennelle et impérieuse leçon pour les citoyens d'une île plus vaste, la Terre. Dans l'immense solitude du Pacifique, à 2000 km de l'île habitée la plus proche, à 4000 km de la côte sud-américaine, l'île de Pâques est l'habitat le plus isolé et le plus troublant de notre planète. Perdu dans l'oubli, son testament est gravé dans la pierre. Célébrité muette de l'histoire, les statues monumentales de l'île de Pâques sont les témoins d'un passé qu'elles ne peuvent nous décrire. Ici, vécu et mouru, un modèle à échelle réduite de notre propre monde. Comme les enfants morts-nés, quelques statues inachevées n'ont pas encore reçu les yeux qui leur auraient donné la vie. Elles sont l'authentique symbole d'une civilisation aveugle qui allait détruire son propre habitat et mourir en essayant de proliférer. Dans les carrières de Ranuraraku, des effigies inachevées, assoupies pour des siècles, se désagrègent lentement dans la pluie et le vent.
et les voix des vivants témoignent d'une totale indifférence à leur passé. Aujourd'hui, sujet chilien, les habitants de Pascua, tel est le nom espagnol de l'île, ou Rapa Nui, en Polynésie, ont perdu jusqu'à la mémoire de leur identité culturelle au contact de la civilisation occidentale. Les Pascuans semblent ignorer que, pendant au moins un millier d'années, confinés sur cette île triangulaire d'à peine 21 km sur 15, leurs ancêtres avaient produit une civilisation en miniature, unique en son genre, avec ses structures sociales complexes, ses croyances, sa technologie et son écriture. Après sa redécouverte par le navigateur hollandais Roggeveen, le dimanche de Pâques de l'an 1722, la culture occidentale s'abat sur l'île comme un typhon. Au pillage des marchands d'esclaves péruviens et des baleiniers américains s'ajoute la variole qui décime les indigènes. Au point qu'en 1877, il ne reste d'une population qui comptait jadis plus de 20 000 âmes que 111 survivants hagards. Des catastrophes de leur histoire pourtant récente, ils ignorent pratiquement tout. Mais sans aucun doute, les tout premiers habitants de l'île de Pâques étaient des marins déroutés par les vents, des naufragés du Pacifique, originaires des lointaines îles occidentales de Polynésie. Au premier soir dans l'île, une foule de questions me viennent à l'esprit. Lorsque des êtres sont confinés dans un monde aussi limité, est-ce qu'ils n'en arrivent pas forcément à rêver de choses impossibles, extraordinaires, géantes? Et aussi, a-t-on la moindre idée de ce à quoi ressemble l'île lorsque les premiers hommes y sont arrivés? Dans quelques rares chansons de l'île, vibre encore par-delà le temps et les mers, comme l'écho d'un passé plus profond, d'une voix plus lointaine. Ces chants les plus anciens sont demeurés plus purs qu'en Polynésie du fait du long isolement de l'île à l'abri de toute influence étrangère. Ils n'ont été conservés que grâce aux efforts de quelques savants et amateurs passionnés. Le docteur Raymond Campbell, par exemple, médecin de l'île, qui fait entendre ses enregistrements au commandant Cousteau. It's amazing that I don't find any similarity with the Tahitian songs I heard. Absolutely. Le docteur Campbell a été très surpris lorsqu'il a enregistré ce chant ici pour la première fois. Il n'avait jamais rien entendu de semblable dans aucune des îles du Pacifique. L'analyse scientifique de cette musique, dit-il, montre qu'elle est fortement influencée par la musique des Indes, tandis que les paroles sont inspirées par de vieux poèmes chinois. The poems from the old poems of China.
Parmi les insulaires eux-mêmes, il ne s'en trouve plus guère qu'une poignée pour se souvenir de ces chants et les interpréter. Siècles, explorateurs et anthropologues ont tenté de percer les mystères des origines culturelles de l'île de Pâques. Le professeur Da Silva, de l'université de Santiago du Chili, retrace les itinéraires probables d'émigration des premiers Pascuans à travers les îles polynésiennes. Ceux-ci, raconte le professeur Da Silva, sont arrivés au plus tard avec le légendaire roi Rotumatua, au 7e siècle de notre ère. Partie des Marquises, d'où ont aussi été peuplés Hawaï, Tahiti et la Nouvelle-Zélande, il est probable que les premiers colons recherchaient de nouvelles terres lorsque la tempête les a balayés vers l'île de Pâques et les y a gardés à jamais prisonniers. Comme tous les émigrants polynésiens, ils avaient embarqué femmes, enfants, ainsi que les animaux domestiques et les plantes qui leur ont permis de fonder une colonie. Les pétroglyphes, représentant les canaux à bord desquels ils sont arrivés ici, sont décrits par l'anthropologue Robert Kroll. But this is a petroglyph of a double-hulled, high-stern Polynesian voyaging canoe. Il s'agit d'un canot polynésien à double coque et arrière surélevé, dit-il. Une pierre gravée découverte par le docteur Molloy en 1974. Du doigt, Robert Kroll indique le profil des deux coques du canot. Ainsi que l'arrière surélevé, où prenait place le chef, le roi ou l'ariki. Le professeur William Molloy, qui fait autorité à l'île de Pâques, dit à Cousteau que les statues ne sont pas aussi stylisées qu'on pourrait le croire. Comme je trouve le nez de toutes ces statues un peu exagéré, le docteur Molloy réplique que c'est une représentation stylisée du nez des gens d'ici. Après tout, les gens d'ici ressemblent aux statues, dit-il. D'une certaine manière, ces statues sont des caricatures de nombreux Iliens. Répondant à mes questions, le docteur Molloy précise qu'il y a 260 statues ici, à la carrière du volcan de Ranoraraku. Mais il y en a bien davantage. Bien d'autres sont encore enterrées, enfouies par suite du glissement du talus. Cette statue basculée était jadis droite comme les autres. Mais elle s'est affaissée progressivement du fait des forces naturelles d'érosion. Mais, dis-je, vous m'avez dit que toutes les statues avaient été détruites lors d'une révolution. Non, répond Molloy, pas les statues de la carrière. Dans la carrière, rien n'a été touché. Seules ont été renversées celles qui se trouvaient sur leurs autels, sur les Aous. Au XVIIe siècle, dans un accès de furie destructrice, toutes les statues de l'île ont été jetées bas. Mais celles de la carrière, qui étaient encore aveugles et n'existaient donc pas réellement, ont été épargnées. Pour sculpter ces statues géantes, on commençait par dégrossir le bloc à travailler en creusant un sillon tout autour. Puis on sculptait d'abord la partie supérieure, ensuite seulement le dessous. La statue reposait alors sur une longue quille étroite, et cette quille était retirée ensuite pour le lancement. Pour soutenir la lourde statue, la partie inférieure était remplie de terre tassée, et la quille était détruite fragment par fragment jusqu'à ce que la statue dégagée soit prête à glisser sur la pente pour prendre place dans le trou creusé dans le sol pour les recevoir.
non pas des dieux, mais des portraits d'ancêtres, les grands Moai, détenteurs de la mana ou puissance spirituelle, pesaient jusqu'à 15 tonnes. Ils étaient descendus sur des plans inclinés, puis tirés à l'aide de câbles en fibre sur des traîneaux de bois, matériaux alors abondants jusqu'à l'autel qu'ils devaient orner. Et au bas de la pente, les statues sont alignées comme des mannequins dans une vitrine de magasin. Pourquoi cette accumulation? Au pied du volcan, les statues attendaient d'être transportées. On les érigeait au bas de la pente pour leur fixer sur le ventre un grand traîneau de bois. La production s'effectuait plus rapidement que le transport. Il en résultait ici un ralentissement, un bouchon préhistorique. Et un stock, un inventaire important se constituait. D'ici, dit encore le docteur Molloy, on voit bien que les Iliens ont essayé de tirer parti de la moindre parcelle de terre sur leur île surpeuplée. Combien étaient-ils? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers sur leur îlot perdu? Plusieurs milliers, peut-être 20 000. Peut-être un peu moins. C'est difficile à dire. Mais il est évident que la terre a été exploitée outre mesure. Et tous les arbres ont été abattus. Les questions qui viennent à l'esprit sont multiples. Quel cataclysme a ravagé cette île jadis fertile et boisée? À quelle fin étaient sculptées ces figures gigantesques, dont le nombre est estimé à un millier? Pour quelles raisons furent-elles abattues? Cousteau charge son équipe d'exploration dirigée par Philippe, son fils, d'éclaircir tous ces points. Sur la côte nord de l'île, près d'une statue restaurée par Thor Heyerdahl, qui veille sur l'unique plage de l'île, Philippe et ses compagnons installent leur campement. Selon la tradition, c'est ici qu'aurait débarqué vers la fin du 7e siècle le roi Hotumatua et son équipage. Ils n'avaient avec eux que quelques poulets et des plantes, mais ont néanmoins survécu pendant plus d'un millénaire. Philippe et son équipe, bien que n'envisageant pas un séjour aussi long, sont arrivés avec un matériel autrement plus important. Embarcation, moteur, scaphandre, compresseur et tout l'équipement nécessaire à une étude difficile. Installés dans le petit camp de tente où ils trouveront gîte et couvert, les membres de l'équipe commencent à préparer leur mission. Il y a là Michael Sullivan, pilote et plongeur, Dominique Arieux, caméraman, Jeanne Cousteau, intendante du camp, Guy Joas, ingénieur du son, Dominique Sumian, chef plongeur, et enfin Philippe, chargé d'organiser l'exploration de l'île et de ses 13 siècles d'histoire. Dans les semaines à venir, nous couvrirons l'île entière, aussi bien que son littoral sous-marin. Nous voyagerons à cheval dans l'intérieur sauvage, comme les autochtones, malgré une certaine méfiance réciproque. Nous escaladerons des falaises abruptes de plus de 200 mètres, véritable bastion contre la mer, et nous explorerons les cavernes qui creusent la roche volcanique presque partout. Afin d'avoir une vue d'ensemble, je prendrai l'air pour ne laisser passer aucun des indices possibles qui peuvent permettre d'élucider l'histoire vraie de cette île. Un zodiaque, l'embarcation auxiliaire de plongée, est soigneusement préparé pour affronter la turbulence des eaux côtières de Rapa Nui. Pour la reconnaissance aérienne, nous assemblons un autogire apporté en pièces détachées et sur lequel un artiste peint un symbole approprié. L'image stylisée de Tangata Manu, l'homme-oiseau, dont le culte a dominé les 200 années qui ont suivi l'abattage des grandes statues au XVIIe siècle.
Sanglé dans le fragile engin, je prends l'air pour un vol d'essai. Sous de moi, des hôtels grandioses, appelés Ahou, bordent la côte déchiquetée. Résultat de longs et difficiles travaux, leur destination reste obscure, bien qu'on y trouve des crématoriums où l'on brûlait les morts. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que les statues ont peut-être été transportées autour de l'île sur des bateaux en jonc. Si une telle méthode a été utilisée, quelques statues ont inévitablement été perdues et nous devons les retrouver au cours de nos plongées d'exploration. Dès la surface franchie, tout est calme. La lumière opalescente de nos éclairages ne révèle qu'un vide irréel. Nous sommes presque surpris d'arriver sur le fond sableux. C'est une marche à 30 ou 40 brasses de fond, large de quelques milles, qui encercle toute l'île jusqu'aux profondeurs abyssales du Pacifique. Les formes qui surgissent du fond nous semblent vaguement familières. Un instant, nous croyons avoir trouvé les statues englouties que nous cherchons, mais un examen de plus près ne révèle que des blocs de roches volcaniques érodés, couverts de concrétions. Bien que la légende persiste qui prétend que l'île de Pâques n'est que le reste d'un continent englouti, toutes les évidences confirment que c'est une île d'origine volcanique qui s'est élevée au-dessus du fond de l'océan par éruptions successives. Terre, en traversant le paysage dénudé, les membres de l'équipe ont souvent l'impression troublante de remonter dans le temps. Comme cela pourrait arriver à un détective qui fouille une chambre abandonnée, le passé devient brutalement présent. Des événements depuis longtemps oubliés redeviennent tangibles, presque réels. Dans ce désert ensoleillé, il nous semble parfois entendre des voix, pourtant tues depuis des milliers d'années. Sur toute l'île, comme les versets de prières brèves, s'éparpille une litanie de pierres en images, des pétroglyphes d'hommes-oiseaux, de fleurs, de poissons, de tortues et de centaines d'autres figures fantastiques. «
Les nombreuses grottes qui truffent la roche volcanique devaient certainement servir à abriter des hommes. Dans la plupart des 200 cavernes qu'elle a explorées, l'équipe a trouvé des squelettes ou des reliques. Le professeur Da Silva explique qu'au fur et à mesure que se poursuivait le déboisement de l'île, la population, en constante expansion, a dû, faute de bois pour construire, adopter pour demeure des abris naturels, vivant et mourant dans cette grotte et dans d'autres, disséminés sur toute l'île. Parmi les vestiges se trouvent de petites statues à la signification incertaine. Devenues, avec le tourisme et la vogue anthropologique, objet de spéculation, certaines figurines ont été cachées par les insulaires. L'une d'elles est montrée en cachette à l'équipe Cousteau qui la photographie, pour en présenter plus tard l'image au professeur Molloy. Henri Garcia raconte au docteur Molloy l'origine de ces photos qu'il a prises d'une statuette révélée par un de ses amis pêcheurs. Nous voudrions savoir si c'est une statue authentique, demande Mike. Le docteur Molloy nous indique des marques dans la pierre, le long des bras, et la similitude du corps stylisé de la statuette avec celui des grandes statues. Par contre, dit-il, la tête est très différente. Et c'est peut-être un style prototypique, très ancien. Bien qu'il soit difficile d'être plus affirmatif sur une base de documents comme ceci, la statuette est sans aucun doute authentique. On y est à peu près ? La caméra est prête ? Intrigué par le fait qu'une île qui, jadis, faisait vivre plusieurs milliers d'hommes, ne puisse plus aujourd'hui nourrir une population de 100 personnes, Cousteau cherche des raisons plausibles. Une variation du niveau de l'île, peut-être. Avec d'autres membres de l'équipe, il se prépare à inspecter les fonds sous-marins environnants. Alors que nous quittons l'embarcation qui flotte au-dessus de nous, nous découvrons rapidement que le plateau entourant l'île est lui aussi un désert, comme si l'appauvrissement de la terre, là-haut, était un cancer qui, d'année en année, se propagerait irrésistiblement vers le large. Il y a bien, ça et là, quelques poissons. Mais comme cette île est dépourvue de récifs frangeants à l'encontre des atolls du Pacifique, les premiers colons ont dû éprouver de grandes difficultés à les capturer. Des grottes et des cavernes sous-marines creusent profondément la roche et se poursuivent parfois au-dessus du niveau de la mer, emprisonnant des poches d'air dans une masse de lave figée. Galeries souterraines formées au fur et à mesure du refroidissement du tuf volcanique, elles ressemblent beaucoup à celles que nous avons explorées sur l'île. Un détail capital près. Les cavernes sous-marines, elles, ne recèlent aucun signe d'occupation humaine. De toute évidence, elles ont été submergées bien avant l'arrivée des premiers hommes à Rapa Nui. À nouveau, comme dans des centaines d'autres lieux du passé, je songe que la Terre est un organisme vivant, un système de forces étroitement solidaires,
à l'équilibre fragile et constamment fluctuant, la mer et la falaise, l'arbre et le désert. Ici, peut-être, à l'île de Pâques comme ailleurs, les êtres humains ont interféré dans le processus naturel et ont découvert, mais trop tard, que les blessures infligées à la nature cicatrisent mal si elles guérissent jamais. Même vue du ciel, l'île révèle toute son aridité et son dénuement. Une végétation clairsemée et quelques arbres plantés ici et là depuis sa redécouverte. Mains indices et témoignages attestent pourtant que les premiers colons y ont trouvé en arrivant des forêts luxuriantes. Lorsqu'on frotte ou souligne au crayon certains pétroglyphes, on révèle des images de fleurs et de grands arbres naguère communs sur l'île. Le professeur Da Silva évoque, à l'intention de Cousteau, la végétation de Pasqua à une époque reculée. Les fleurs et le thé. Et le thé. Le thé, c'est le seul thé et les seules fleurs. Les pétroglyphes révèlent des fleurs et de très grands arbres. C'est un élément essentiel de l'histoire de l'île. Car lorsqu'elle a été redécouverte, il n'y restait plus aucun arbre. The eucalyptus that we see have been planted thereafter by the company. Dans le musée de Lille, le professeur Molloy décrit d'autres objets précieux, tous en bois. La chose la plus remarquable à propos de l'île de Pâques, dit-il, c'est qu'on y trouve un peuple à la limite de la civilisation. Ce peuple possédait un langage écrit, gravé sur des tablettes de bois, comme celle-ci. C'est un langage hiéroglyphique qui n'a jamais été déchiffré, bien que d'éminents linguistes y travaillent. On n'en connaît pas la signification. C'est un des plus troublants mystères de l'île de Pâques. On se demande pourquoi une aussi petite communauté avait besoin d'un langage écrit. Et d'anciens récits mentionnent l'existence de plusieurs milliers de ces tablettes conservées dans des bibliothèques ou par des prêtres. Il en reste très peu aujourd'hui. En fait, il n'y en a plus que 26 exemplaires dans le monde entier. C'est cette rareté qui rend le déchiffrement extrêmement difficile. Chose curieuse, on commence la lecture ici à la première ligne, jusqu'à la fin. Ensuite, le texte continue à l'envers et dans la direction opposée. Donc, pour lire, on commence par la première ligne. On retourne la tablette à l'envers pour lire la deuxième ligne, et ainsi de suite. You have to read the first line, turn it upside down for the second line, turn it back again right side up for the third line. La lecture est un renversement constant de la tablette. Brûlée, soit comme vulgaire bois à chauffer, soit comme des vestiges du paganisme, il ne reste plus aujourd'hui que quelques rares tablettes de hiéroglyphes. Ces écrits indéchiffrables, gravés avec minutie, offrent une frappante similitude avec l'écriture symbolique de la vallée de l'Indus, en Asie du Sud. Universellement connus pour leur statut totémique monumental en pierre de lave, les premiers Pasquans avaient aussi sculpté des centaines de figurines taillées dans les bois durs de l'île, depuis longtemps disparues.
Même les vestiges des premières habitations témoignent de l'usage généralisé du bois. Dans les trous que portent les pierres de fondation, étaient dressés jadis des piliers de bois soutenant des toits d'herbe ou de chaume. Que s'est-il ensuite passé? Quelle séquence d'événements a contraint une société prospère, créative, ingénieuse, à vivre dans des masures de pierres sèches ou à se réfugier dans les abris naturels des grottes volcaniques? Dans l'espoir de trouver de nouveaux indices, l'équipe prospecte d'autres grottes et y découvre, encore et toujours, des ossements humains. Cette fois-ci, Philippe, premier de cordée, gravit avec quelques-uns de ses compagnons les falaises abruptes qui dominent la mer sur le flanc nord de l'île. Tandis qu'il progresse par voie de terre vers le lieu de rendez-vous, la base du rempart naturel, un autre groupe y arrive par voie de mer pour débarquer à pied d'œuvre matériel lourd et provisions. Près de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, Philippe et ses compagnons découvrent une grotte qui conserve des traces évidentes de vie et de mort. Elle recèle aussi sa cache d'ossements. Mais ici, leur présence doit avoir une signification différente. Même les fentes les plus étroites donnent accès à des grottes. Pourquoi donc les passepoints venaient-ils ici? Pour accomplir quelques rites secrets, ou pour abandonner leur mort? Leur mort qu'ils ne brûlaient plus comme dans les premiers temps? Ou venaient-ils ici eux-mêmes pour y mourir? Où était-ce la terreur? Comment expliquer autrement l'application des occupants à dissimuler toute trace visible de l'existence des grottes? Pourquoi auraient-ils bloqué les entrées pour qu'il n'y puisse passer qu'un homme à la fois? Comment expliquer autrement que des hommes aient cherché refuge dans des niches aussi inaccessibles, comme des taupes fuyant le regard du faucon? Ces énigmes sont presque aussi impénétrables que le brouillard qui, maintenant, avec le changement de saison, prend l'équipe au piège. Isolée dans l'océan et dans l'espace, l'île est maintenant prisonnière d'une série de tempêtes. Le camp est menacé par de violentes rafales et Jeanne Cousteau lance un appel de détresse aux hommes à l'expédition. Le vague orange qui allait tout dans les deux côtés, là. Ils reviennent précipitamment. Consolide la fixation des tentes. Les premiers colons de ce fragment de terre perdu ont probablement dû lutter ainsi contre les éléments. Mais contre un ennemi plus redoutable, eux-mêmes, ils se sont avérés incapables de se protéger. Seuls et incapables de faire régner la paix dans leur univers minuscule, les Iliens ne pouvaient que rêver de fuite. Une fuite symbolisée par l'homme-oiseau, lui-même inspiré de Manutara, une hirondelle de mer. Après le renversement des statues géantes, l'homme-oiseau, devenu objet de culte, incarnera aussi une nouvelle forme de tyrannie, celle du plus fort.
C'est dans cet îlot du large que nichait le Manutara, l'enjeu d'une course annuelle au pouvoir. Ici, à Orongo, le chef de clan dont le nageur rapportait de l'îlot de Motonui le premier œuf de la saison était sacré au moiseau pour l'année. Size of these people? Well, they were very tall. Polynesians are one. Le professeur Gonzalo Figueroa décrit à Philippe le culte de l'homme oiseau. The chiefs and the priests of different lineages used to come here every year by the beginning of the spring, and they stayed here. Les chefs et les prêtres des différentes tribus, me dit le professeur Figueroa, s'assemblaient ici chaque année, au début du printemps. Leur champion respectif, qui était le meilleur nageur, devait aller chercher le premier œuf de Manutara, c'est-à-dire de stern, un petit oiseau de mer migrateur. Pendant que les chefs et les prêtres célébraient les rites du culte de la fertilité, les nageurs attendaient de pouvoir s'emparer du premier œuf qu'ils ramenaient à la nage à leur chef, qui devenait aussitôt le Tangata Manu, ou homme-oiseau. Ce titre conférait au chef et à sa tribu une grande puissance magique et religieuse. Il s'en servait pour faire la guerre aux autres tribus, et qu'elle était terrifiée par le pouvoir spécial du Tangata Manu, l'homme oiseau. Was that the beginning of the history of the island? No, apparently this cult. Je demande si cela se passait au début de l'histoire de l'île. Non, me dit-il, ce culte a atteint son apogée à l'époque où les anciennes traditions, les dieux ancestraux, étaient en décadence. L'ancien dieu était Maki Maki, le dieu créateur. Was the god of natural forces, the creator god. Aucun des insulaires d'aujourd'hui ne se souvient du nom de toutes les divinités qui encombraient le panthéon de Rapa Nui, et dont beaucoup étaient symbolisés par des animaux ou des végétaux. L'image de Makemake, le plus puissant et le plus familier des premiers dieux, est décalquée ici sur une pierre selon une technique dont Robert Kroll fait la démonstration. Contrairement à maints autres peuples primitifs, les Pasquans ne connaissaient ni Satan, ni Dieu du mal. Ce qu'ils croyaient, c'est qu'ils portaient le diable en eux-mêmes. Et s'ils priaient, c'était seulement pour échapper au mal d'origine humaine qui les entourait. Comme si la répétition pouvait donner vie et réalité à leurs espérances, ils ont couvert les rochers de l'île de pétroglyphes de l'homme-oiseau. Architecture of the type represented by the large open-air altars that we see being restored here has a considerable antiquity on Easter Island. The earliest radiocarbon. Le docteur Mulloy dirige la restauration d'un des Aou, un des hôtels en plein air de l'île. Par des datations au carbone 14, on a pu déterminer l'âge de ces structures. La plus ancienne date de la fin du 7e siècle de notre ère. Et déjà, on y trouve presque toutes les caractéristiques principales de ce type d'architecture. Ce style pourrait donc être plus ancien de quelques siècles. À travers toute la Polynésie, on trouve des exemples beaucoup plus modestes de ces structures. Mais ici, sur cette île, elles ont atteint un développement exceptionnel. Certainement la floraison la plus extraordinaire de construction religieuse de toute la Polynésie. Au fil du temps, ces hôtels devinrent de plus en plus nombreux, jusqu'à couvrir tout le littoral de l'île. Certains ont même été construits à l'intérieur des terres. De nombreuses statues étaient érigées sur tous les hôtels construits. Cette explosion architecturale s'est poursuivie, augmentant d'intensité, jusque vers la fin du XVIIe siècle,
époque à laquelle les statues les plus grandes ont été sculptées et les structures les plus importantes construites. C'est à ce moment que, pour des raisons encore quelque peu obscures, l'île entière a été submergée par une vague de violence et de guerres intérieures. C'était peut-être dû aux exigences de la classe dirigeante, les prêtres, pour toujours plus de statues, des statues toujours plus grandes, le transport de toutes ces statues, l'édification des hôtels et toute la vie cérémoniale associée au culte. De toute façon, c'est à cette époque que tout s'est terminé. La plupart des statues et des hôtels furent détruits et couverts de monticules de pierre. Gaspillant leurs énergies à des productions totalement vaines, épuisant leurs ressources naturelles, confrontés à la surpopulation et à la famine, ils provoquèrent l'écroulement de l'ordre social de l'île. Dans la violence et le chaos, les grandes statues, symboles de cet ordre périmé et maintenant haï, furent jetées bas, leurs coups brisés. Le professeur Da Silva raconte que ce Moai provenait des carrières de Rano Raraku et qu'il était le plus grand de tous ceux jamais érigés en l'île de Pâques. La couronne ou chapeau des statues provenait d'un volcan du flanc opposé de l'île. Cette statue, la plus grande de toutes, fut aussi la dernière à être renversée. Las últimas guerras. Este es el último Moai que estaba en pie. Así es que es el más grande y es también el último Moai botado. Well, in this period of depletion of the natural resources and of heavy population, that as I was telling you, correlates with the period in which this cult took place. Pendant cette période où les ressources naturelles étaient presque épuisées et où la population était très dense, les conditions de vie étaient dures, très dures. Les gens se combattaient et il y eut une grande recrudescence de cannibalisme. L'homme chassait l'homme sans répit. Et les domaines de pêche, de culture, étaient bien définis et farouchement gardés contre toute intrusion. Si un étranger s'y aventurait, il était tué et mangé. Aujourd'hui, il reste encore, caché par de petits bouquets de bananiers, des vestiges de minuscules tranchées, des abris, qui furent habités. Mais les arbres ont cessé de protéger l'île et doivent eux-mêmes être protégés par de petits murets de pierre. Les vestiges les plus impressionnants se trouvent encore dans la carrière de Rano Raraku. Je suis stupéfait par la taille de la plus grande de toutes les statues en construction dans la carrière. 22 mètres de long, plus de 400 tonnes. Quand les travailleurs ont vu ça, plaisante le docteur Molloy, ils se sont dit, ça suffit, c'était trop pour eux. Le culte des statues touchait à sa fin. Vous croyez que la chute soudaine de leur civilisation est due à ça, dis-je ? Très probablement. Leur culture devait changer pour survivre. C'est ce qui est arrivé avec l'apparition d'une nouvelle religion qui leur semblait plus facile à supporter, le culte de l'homme-oiseau. Parce que les traces de la préhistoire sont souvent plus visibles en altitude qu'au sol, Philippe effectue de nombreuses excursions aériennes. Après des semaines d'exploration, il prend l'air pour une nouvelle reconnaissance. Une défaillance du moteur, à 80 mètres d'altitude. Le gyrocoptère s'écrase au sol, non loin de la léproserie de l'île. Découvert par les lépreux, Philippe est transporté et reçoit finalement des soins médicaux. Plus tard, au crépuscule, Michael Sullivan et Dominique Sumian viennent examiner les lieux de l'accident. «
gyrocoptère est irrécupérable. Il nous rappelle que notre technologie, comme notre Dieu, peut faillir. À peine moins atteint que son appareil, Philippe survivra. Après plusieurs opérations et une année de soins, il se retrouvera presque intact. Sa mission pratiquement achevée, il quitte l'île, curieuse ironie du sort, par la voie des airs. Précisément celle dont avaient rêvé jadis les insulaires pour échapper à une tragédie autrement plus grave. La mer elle-même, dont les Pascouans se trouvèrent prisonniers, est aujourd'hui plus accueillante pour les plongeurs qu'elle ne le fut pour eux. En l'absence de Philippe, l'équipe plonge pour une dernière reconnaissance du monde sous-marin de l'île de Pâques. Un monde qui s'était progressivement fermé aux insulaires au fur et à mesure que le bois, matière première des bateaux, se raréfiait. Sur Terre, un autre monde courait à sa perte. Des hommes haineux et faméliques se massacraient sans espoir. Mais ici, dans les paysages silencieux de la mer, il reste encore un sentiment illusoire de paix et d'ordre naturel. Ici aussi, proies et prédateurs se côtoient dans un équilibre perpétuellement changeant. Partenaires instinctifs qui, à la différence des hommes, échappent rarement à leur destin. Mais les poissons, eux, ne bâtissent pas de cathédrale. Je dois partir bientôt et j'en suis triste, dit le docteur Mellor. Oui, l'île aussi a une bien triste histoire, répond-il. C'est l'image d'une culture élaborée dans l'isolement le plus complet et qui aboutit à une destruction quasiment totale. Figure spectrale d'un univers désolé, les monumentales statues ont peut-être transmis jadis quelques puissances spirituelles, la mana, de lointains ancêtres aux décédents de leur clan, sans doute parce que ceux-ci avaient foi en eux. Mais aujourd'hui, à l'île de Pâques, il ne reste plus personne pour croire. Reliques sans âme d'une foi qui a failli, leurs yeux inachevés ne reflètent ni souvenir, ni espérance. Mais si saccagé et désertique que fut devenu Rapa Nui, si désespérés ses habitants, l'île n'a jamais manqué d'armes, grâce à l'obsidienne, aux arêtes tranchantes. Avec de tels outils, les insulaires s'entretuèrent jusqu'au dépeuplement et purent ainsi améliorer temporairement leur misérable ordinaire. L'histoire abonde en sinistres paraboles. Celle de l'île de Pâques en est une. Elle nous rappelle que les ressources de notre île, la Terre, ne sont pas moins limitées. Elle nous rappelle que l'inégalable génie créateur de l'homme semble, par quelque fatalité, porter en soi les germes de sa propre destruction. Ici, au cœur d'une mer infinie, une cellule vagabonde de vie humaine a jeté l'ancre, créé une civilisation et disparu, ne laissant qu'une poignée de survivants sans aucun souvenir conscient de ce qui était arrivé. Et pourtant, si l'homme s'est, au moins en partie, inventé lui-même, si les générations actuelles sont nées de l'imagination d'hommes morts depuis longtemps, alors nous avons encore le choix. Nous, insulaires autant qu'eux, allons-nous léguer les trésors du génie inventif et de la sagesse des hommes à des héritiers bien vivants ou à des reliques sans âme qui se moquent bien de tout ce qui aurait été possible? Les Pascouans avaient peut-être raison. Nous ne sommes pas victimes d'un dieu du mal. Nous ne sommes victimes que du mal que nous portons en nous-mêmes.
Depuis longtemps familiarisés avec les monuments antiques qui subsistent à terre, nous commençons tout juste d'explorer les vestiges du passé engloutis par la mer. Là, comme figés par un charme, gisent les reliques des civilisations perdues. Un casque, un collier, une jarre à vin, une sculpture de marbre prétendant encore à la vie. Le plus grand musée du monde se trouve dans la mer. Des profondeurs ont surgi des statues datant de l'âge d'or de la Grèce. Un jeune jockey, son cheval, et le bronze incomparable qui représente le dieu de la mer, Poséidon. Au large de l'île grecque d'Antiquitaire, l'équipe de la Calypso retourne sur le site où en 1900, des pêcheurs d'éponges ont fait la fameuse découverte d'une épave chargée d'œuvres d'art. Pour certaines statues, la découverte est venue trop tard. Leurs formes sculptées ont été à jamais rongées par les organismes marins lithophages qui attaquent toute pierre non recouverte par la vase. Utilisant des techniques modernes, les plongeurs de la Calypso espèrent ajouter d'autres bronzes rares à ceux qui ont déjà été arrachés à l'oubli. Comme des somnambules, ils nous contemplent par-delà les siècles, survivants muets de batailles gagnées ou perdues, de villes prospères et de villes pillées, de paix orgueilleuse sombrant dans le chaos. Est-ce que vous pensez, M. Yager, que cette pièce faisait partie du bateau, de l'équipement du bateau ? Nicolas Zialouris, directeur général du Musée national d'Athènes, parle de l'Astrolabe. L'une des plus surprenantes trouvailles archéologiques, ce morceau de métal corrodé ramené d'Antiquitaire, révèle une invention grecque dont l'existence n'avait jusqu'alors jamais été même soupçonnée. Les connaissances techniques et technologiques des anciens étaient de beaucoup plus développées qu'on pense en général. Capable de concevoir et de construire le plus ancien instrument à engrenage permettant de calculer le mouvement des étoiles, les Grecs, 100 ans avant notre ère, avait la clé de la révolution industrielle et des calculateurs modernes. Ici, l'astrolabe perdu est resté enfoui pendant 2000 ans. Quels autres secrets, quels autres trésors attendent encore d'être délivrés de leur tombe marine ? Sur les rivages et les îles de la mer Égée se dressent les pierres mutilées et les ruines laissées au cours de centaines de vies humaines. La plupart ont été bouleversées par les violences de la nature ou des hommes qui en ont paradoxalement épargné une petite partie. À mi-chemin entre la Crète et Cythère, où la légende a fait naître Vénus, se situe l'île d'Antiquitaire, un carrefour maritime du monde antique. Bon, alors, d'Athènes à Antiquitaire, ça fait à peu près 6 heures de route par beau temps. C'est là que sombra, au cours du 1er siècle avant notre ère, un bateau romain chargé d'œuvres d'art. D'où venait-il ? Où allait-il ? Nul ne le sait. En quête d'une réponse, Cousteau et ses plongeurs entreprennent des recherches systématiques.
Ils espèrent découvrir des indices qui permettront d'assigner à l'astrolabe une date plus précise dans l'histoire. Le chantier se trouvant tout près de la côte escarpée de l'île, le capitaine Gourlaouen doit prendre des dispositions exceptionnelles. Ici, le vent du nord, le Meltemi, en quelques minutes, peut soulever une tempête furieuse. Deux ancres énormes seront mouillées au large. Une fois la Calypso en sécurité, Cousteau décolle pour une première reconnaissance aérienne de l'île. Anticythère, ce n'est qu'un rocher au milieu de la mer. Mais l'île porte encore les traces d'un passé qui remonte au-delà de l'histoire. D'antiques murs de défense sur les crêtes et de plus récentes clôtures de pierres sèches en terrasse. Sur tout cela ont déferlé les pillages et les conquêtes, œuvre des pirates comme des guerriers. Ensuite, au 1er siècle avant notre ère, passèrent les galères de l'armée romaine, envoyées pour écraser les révoltes des lointaines provinces de l'Empire. En particulier, les flottes de Rome pourchassèrent ce parvenu de Mithridate, qui fut à la fois un conquérant et un collectionneur. Il était installé à Pergame avec ses trésors artistiques. Mais après le sac de Pergame, que sont devenus ces trésors ? Jadis intensément boisée, l'île est aujourd'hui presque aussi nue qu'un os. Sur cet ancien slip glissaient les navires bâtis avec les forêts disparues. Sacrifiant l'avenir pour assurer le présent, les habitants de l'île virent leur commerce maritime prospérer un certain temps. Mais les générations suivantes eurent à souffrir d'un sol à jamais érodé et lavé par les pluies. Maintenu à distance du rivage rocheux par les ancres géantes mouillées au large, la Calypso est maintenant amarrée à la terre. Trois solides haussières de nylon sont fixées à des câbles d'acier tournés sur des rochers saillants. Une fois raidies, elles assureront la sécurité du navire contre la mauvaise mer, mais pas contre de fortes tempêtes. Au centre de sa toile d'araignée, la Calypso se trouve maintenant juste au-dessus du site où les pêcheurs d'éponges firent leur première découverte, quelques 60 mètres plus bas. Cousteau échafaude avec les plongeurs des plans pour dresser un inventaire systématique du fond. En réalisant une mosaïque de photos, ils pourront établir avec précision une carte des trouvailles. Lui, il peut faire n'importe quoi, il peut se balader en arrière, en avant, il fait ce qu'il veut, il fait des effets beaux. Il est admis que tous les objets exposés en tas sur le fond de la mer ont été récupérés lors des premières tentatives de 1901. Pourtant, ces efforts héroïques étaient limités par les moyens encore primitifs de l'époque. Avec un équipement moderne, Cousteau a l'intention de fouiller dans la vase pour rechercher les objets enterrés que les premiers plongeurs n'étaient en mesure ni de déceler, ni de déterrer. Loin de la surface miroitante, par 55 mètres de profondeur, nous distinguons un fond en pente douce, jalonné de quelques roches. La lumière est grise, le paysage est triste. C'est ici sans doute que le navire a sombré. Mais où ? De la coque en bois, décomposée depuis longtemps, il ne reste aucun vestige. Ici et là, des fragments de poterie, des amphores, sont prises dans le sable. Les jarres sont fragiles et ne résistent généralement pas longtemps à l'usage. Elles sont donc utiles pour dater une trouvaille archéologique.
c'est une trace verdâtre, un indice de bronze que je guette surtout. Tous les objets en bronze, même les plus belles statues, ont été fondus par les envahisseurs pour en faire des armes. Il ne reste pas plus de 2 douzaines de grands bronzes grecs. Et parmi eux, un plus petit nombre encore datant de l'âge d'or de l'art grec, le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Avant de mettre en œuvre des engins puissants, nous explorons le site avec des précautions infinies. En nous servant de nos mains comme d'éventail, nous dispersons la vase et le sable que l'eau entraîne comme la poussière dans le vent. Nous dégageons ainsi un morceau de bronze plat, puis plusieurs autres, reliques énigmatiques dont je ne peux deviner le caractère ou la fonction. Nous descendons 2 fois par jour à 55 mètres de fond environ et nous y travaillons 20 minutes. À chaque remontée, nous devons rester près d'une demi-heure sous la quille de la Calypso, par 3 mètres de profondeur, pour éviter les accidents de décompression. Je suis le premier à trouver cette attente pénible. C'est long, une demi-heure de palier. Falco rapporte les morceaux de bronze qui ont étonné les plongeurs. Ils sont rapidement identifiés comme des fragments de mobilier antique par l'archéologue grec qui se trouve à bord, Lazare Colonnes. Pas tout à fait ce qu'on espérait. Mais en fait, c'est du bronze. Fidèle ami de la première heure, Frédéric Dumas recommande à Cousteau de nettoyer de leurs incrustations les pièces de bronze avant que les animaux marins ne sèchent et durcissent. Convaincu que d'autres objets précieux restent encore enfouis sous le sable et la vase, Cousteau assemble une mosaïque photographique du fond qui servira de référence. Pour activer les recherches, Cousteau a recours à un engin efficace, la suceuse. Bien que flexible, son tuyau spécial peut résister aux pressions de grande profondeur sans être écrasé. La suceuse se comporte comme un aspirateur, entraînant pêle-mêle en surface sédiments, concrétions, pierres et fragments de toutes sortes. Alimentée par un compresseur à bord de la Calypso, la suceuse entre en fonction. Comme des badauds devant un chantier de construction, quelques poissons poussés par la curiosité s'aventurent autour de la gueule de la suceuse, alors qu'elle dévore gravier et débris. Mais aucun d'eux ne se fait avaler. Le flot se déverse dans un grand tamis amarré en abord de la Calypso. Seul le sable et la vase passent à travers les mailles serrées. Ici, même les plus petits fragments de la cargaison du navire sont piégés et recueillis. Dans
dans le cas où, lors du naufrage, le navire se serait coincé contre un gros rocher caractéristique qui se dresse sur le site. Les plongeurs explorent la pente qui s'étend au-dessous. Car lorsque le bateau s'est désintégré, une partie de la cargaison a pu culbuter assez loin, au-delà de la zone des principales découvertes. Cousteau s'apprête à utiliser la soucoupe d'une façon tout à fait nouvelle sur les lieux de la fouille sous-marine. La soucoupe plongeante peut rester plusieurs heures au fond. Grâce à elle, l'archéologue Colonnas pourrait surveiller les travaux, alors qu'en 1901, ses prédécesseurs restaient en surface, condamnés à faire confiance aux pêcheurs d'éponges. Aujourd'hui, la soucoupe est équipée d'une puissante pompe à eau et d'une sorte de lance à incendie sans recul pour objets enterrés dans le sable et dans la vase. Cousteau et Falco ont emporté avec eux une carte des fonds basée sur la photomosaïque, afin de situer avec précision toutes les découvertes. Travaillant en collaboration avec la soucoupe et son jet d'eau, les plongeurs récupèrent bientôt dans le sable labouré du fond un nombre croissant d'objets. Une petite lampe à huile qui a peut-être éclairé jadis une chambre de femme. Plusieurs pots et amphores à usage domestique. Tout est placé avec soin dans un peigne et utilisé comme monte-charge. Spécialiste chevronné des fouilles sous-marines, Dumas attend avec impatience le retour de chaque équipe de plongeurs. Les trouvailles sont aussitôt remises à l'archéologue Colonnas, qui les examine et les évalue. Toutes appartiennent à approximativement au 1er siècle avant notre ère, période pendant laquelle la Méditerranée orientale était déjà dominée par la puissance romaine. En surface, le chaland de la Calypso déhale la soucoupe pour éviter qu'elle tosse contre la coque pendant les manœuvres de hissage. Parfaitement à l'aise dans son élément en plongée profonde, la soucoupe est une servitude encombrante sur le pont. On peut, comme au sol, les albatros sont impotents. C'est le trésor de Rackham le Rouge. Cousteau
émerge de la soucoupe, apparemment très confiant. Il explique à Lazare Colonos qu'il a remarqué quelques taches de couleur verte dans les sédiments labourés par la lance à eau de la soucoupe. Il est convaincu que d'autres pièces de bronze sont encore enterrées dans le fond, prêtes à être découvertes. Jour après jour, la suceuse déverse un flot continu de sable et de pierre dans le tamis. Beaucoup plus bas sur le fond, les plongeurs font des sondages tests, creusant un endroit puis un autre pour une exploration systématique du site. Régulièrement, le contenu du tamis est déversé sur le pont. Comme des joueurs enragés, les archéologues et toute l'équipe grattent centimètre par centimètre dans les débris avec l'espoir d'y voir apparaître quelques trésors. Et ce sont des modestes trésors, souvent des fragments de quelques objets cassés qui apparaissent. Cousteau examine un doigt de marbre qui fait rêver à l'existence d'une plus grande sculpture. Et voici encore un fragment de marbre, le pouce d'une main sculptée. Ça c'est le pouce. On ne doit pas être loin de la statue. Hein? Ah oui. Il s'approche. Ah oui, regardez, il y a bien là. Ah oui, c'est le pouce. On a le pouce et le pouce. Maintenant, parmi les débris apparaît un petit bloc de métal concrétionné. Aucune forme ne peut indiquer son identité, ni sa fonction. Pourtant, il est soigneusement mis de côté, dans l'espoir qu'après avoir été nettoyé, il pourra fournir quelques indications scientifiques. Pour les archéologues, rien n'est indifférent. Un autre objet a une valeur plus évidente, un mystérieux ornement, en or finement ciselé qui a la forme d'une petite coupe. Show me. What is it? On va trouver la pierre, mais... Peut-être qu'il y en a d'autres, là. Maybe other ones. Une main, un pied. Une main de marbre, puis un pied trouvé par Falco, provoque un moment de déception, car ils ont été endommagés et brisés. Il y a des moments de découragement lorsque les plongeurs ne trouvent plus rien. Mais il suffit que la suceuse révèle une surface plus dure qui a l'éclat du marbre pour remonter le moral. Fébrilement, Ivan Giacoletto creuse le sable et dégage un bras de marbre grandeur nature.
il griffonne un message sur une sorte d'ardoise pour faire part de sa trouvaille et demander qu'on lui fasse descendre un panier. On va voir ce qui nous a marqué. Dans la plaque. J'ai trouvé le bras d'une statue en marbre. Raymond, monte le panier. Dégage. Sur le pont, la nouvelle provoque un mouvement d'émotion. Et si on approchait du reste de la statue, chacun rêve. Bien que terni, le bras, un bras de femme sans doute, a été préservé des ravages des lithophages par son enfouissement dans la vase. Tandis que Colonna s'examine la trouvaille, Giacoletto se tient auprès de lui en souriant fièrement. Il est le jeune explorateur étalant les trésors exotiques qu'il a rapportés des contrées lointaines. Comment il était placé? Il était... Tenez-le bien, il était comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça sortait? Non, ça sortait pas. C'était la suçasse que c'est sorti. Juste cette partie-là. Sans aucun signe précurseur, un furieux coup de vent oblige la Calypso à interrompre immédiatement toute opération. Comme une évocation de la tempête qui a jadis écrasé un navire romain sur cette même île, l'ouragan qui se lève du nord-ouest soulève la mer contre les rochers du rivage. Sur la passerelle, Cousteau évalue la force croissante du Meltem. Sa violence a drossé à la côte des navires beaucoup plus grands que la Calypso. Pour fuir la tempête avant qu'il ne soit trop tard, Cousteau donne l'ordre aux hommes du chaland de trancher immédiatement les haussières d'une île aux extrémités et de laisser en place les élingues d'acier qui pourront peut-être resservir. Un oiseau fuyant devant le vent, la Calypso aussi prend son vol. Sous l'assaut des vagues, elle abandonne les grandes ancres du large et se dirige vent arrière vers la pointe nord-ouest de la crête, où 6 heures plus tard, elle trouvera un abri précaire. En attendant que la tempête s'apaise, Colonnas montre à Falco le catalogue qu'il a soigneusement dressé des trouvailles. Pièce par pièce, les plongeurs de la Calypso ont accumulé une collection d'antiquités extraordinairement variée. Une jolie petite lampe alimentée jadis à l'huile d'olive. Un lacrymal, destiné à recueillir les larmes. Un objet charmant pour mesurer la douleur d'une veuve.
La petite coupe d'or ciselée, déclare maintenant Colonnas, était sertie sur une pierre précieuse. Elle faisait partie d'un collier semblable à celui exposé au musée de Nicosie, à Chypre. Le petit bloc de métal maintenant en partie nettoyé s'est révélé être comme une pile de monnaie agglomérée par l'action chimique de la mer. Tandis que la tempête se calme, la Calypso reprend son poste d'amarrage au-dessus de l'épave romaine. Une fois de plus, les plongeurs reprennent leur recherche. Après une journée de fouilles infructueuses, il dégage profondément enterré un crâne humain, qu'il ait été amiral ou légionnaire, gabier ou esclave. Embarqué voici 2000 ans sur une galère naufragée, il n'a plus ni nom ni grade. Malgré notre émotion, les restes de ce confrère de l'Antiquité ont aujourd'hui bien moins de valeur que le chargement de son navire. Une intéressante découverte. D'énormes clous de bronze, jadis enfoncés dans des chevilles coniques de bois dur, procédé utilisé pour riveter les coques des bateaux antiques. À peine sous le sable, les plongeurs trouvent une portion de pan du navire sur lequel ont marché des Romains. C'est cependant une découverte éphémère. Protégées uniquement parce qu'elles étaient enterrées, les planches de bois ne se conservent que quelques semaines si elles sont exposées à l'air. Seul un traitement chimique appliqué immédiatement pourrait éviter leur destruction. George Papathanassopoulos, euphore de l'archéologie sous-marine en Grèce, arrive d'Athènes. Avec Cousteau, il examine les planches du pont et quelques-uns des objets récemment remontés du fond. Pour la plupart, ce sont des fragments de pièces importantes, probablement brisées. Malgré l'espoir que la plupart des morceaux aient appartenu à une seule statue, les membres de marbre proviennent des sculptures différentes. D'autres fragments sont examinés. Albert Falco sert de mannequin pour la crête d'un casque de bronze.
Avec ça, on devait plonger. C'est pas tous les jours qu'on coiffe une crinière de bronze. Hein. Tout ce qu'on a trouvé intéressant, les bijoux... Au carré, Cousteau examine encore la mosaïque photographique du fond sur laquelle chaque objet découvert a été situé avec précision. Les bijoux, les monnaies, les poteries, les fragments de verre incrustés, les morceaux de marbre. Le bras, où est-ce qu'on a trouvé le bras ? C'est à côté du rocher rond, à droite, à côté du gros morceau de bois. Là, c'est le bras de marbre. Un bras de marbre. Bon, mais alors, les piles de pièces de monnaie, où est-ce qu'on les a trouvées ? Mais où sont les bronzes qu'il est si désireux de trouver et dont il est convaincu qu'ils sont cachés là? Les photos ne donnent pas d'indice. Ils ont été trouvés là, entre la falaise rocheuse et ces blocs de roche ici. Et dans cette région, les bijoux, à trois endroits, donc serait intéressant de continuer les recherches par ici. Au cas où des objets de valeur y seraient emprisonnés, même de grands blocs de sédiments consolidés, durs comme des pierres, sont élingués et hissés à la surface. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un bloc, c'est le filet, c'est un des gros blocs. Soudain, les langues dérapent. Chacun se souvient de l'accident désolant de 1901. En sortant de l'eau, un magnifique cheval de marbre, un câble a cédé, laissant retomber la grande statue dans les abysses, sans espoir de la retrouver. Espérant briser le rocher le long de ses fissures et laisser intact tout objet qu'il pourrait contenir, les chercheurs s'attaquent à la pierre. Au début, le marteau ne révèle rien. Puis, ce n'est pas un bronze, mais une poterie qui apparaît et qui est finalement dégagée. On voit bien le clou qui vient depuis assez loin, qui va jusque là, dans sa cheville de bois. Plus bas, sur le fond, l'un des plongeurs a décelé un bord rectiligne qui n'a pu être taillé que de main d'homme. Peu à peu, un objet de pierre, une sorte de boîte carrée, émerge du sable. Mais qu'est-ce que c'est ? Peut-être la base d'un ornement ? Ou d'une statuette ? Pensant qu'un objet complémentaire pourrait se trouver tout près de là, Yvon Giacoletto sonde la zone environnante, tandis qu'un autre plongeur tient les lampes. Lentement dégagée de la roche et du temps, émerge la petite silhouette de bronze d'un antique pugiliste. Insensible aux organismes qui détruisent le marbre,
Le bronze se couvre simplement d'une mince couche d'oxyde qui le protège d'une corrosion plus profonde. Cette couche éliminée laissera la pièce dans son état primitif. Sur la plage arrière, Cousteau et Colonna s'examinent avec curiosité l'objet rectangulaire. Puis, dans l'enthousiasme général, ils contemplent la récompense de leurs efforts. Ceux qui l'ont trouvé ne cachent pas leur fierté. Il est évident que la pierre carrée ne peut être le propre socle de la statue. Il serait disproportionné. Ce qui manque probablement, c'est un disque, une base pivotante. Sur un tel socle, des statues étaient orientées vers l'hôte de Marc, ou peut-être tournées pour que la lumière puisse révéler quelque nouvel aspect de sa forme. Les artistes grecs ne manquaient pas d'un public de connaisseurs. Tandis qu'on nettoie la statue, les plongeurs retournent au fond dans l'espoir de nouvelles découvertes. Il y a l'éclairage ? Voilà, voilà. Près de l'endroit où le petit boxeur a été trouvé, les plongeurs fouillent encore dans la vase durcie. Taillant avec précaution dans le conglomérat, il met à jour une portion de forme sculptée. Une fois de plus, le fond de la mer livre une partie de ses trésors. Cette fois, c'est un éphèbe en bronze, d'une taille très voisine de celle du boxeur découvert précédemment. Sur un fond de ciel crépusculaire se profile un messager silencieux, issu de notre passé. Comme des entrepreneurs qui comptent leurs profits, l'équipe de la Calypso passe en revue une partie des trouvailles. Les boucles d'oreilles, ornées de trois pierres précieuses, avec une petite figurine d'Eros en or, un petit bras de bronze dont personne ne sait à quelle statue il appartient. La main, et ça va presque jusqu'à l'épaule, hein? About the same size as the other ones, same size, about that high. Là, ça va là, hein? Et ici, il y a un... Et toi ? Vas, tu cherches. Sans prix,
parce qu'ils sont irremplaçables, ces objets auraient pu être perdus pour toujours. Mais comme une image ou un son dont on se souvient brusquement, ils ont été rendus à la vie. De nouveau, ils nous appartiennent. Il y a 2000 ans, une femme a porté ses bijoux, peut-être au jeu du stade ou au théâtre, pour une représentation de Médée. Vous avez vu la petite amphorette? Oh, il y avait un dessin, Peter. Ce vase miniature était rempli de précieux parfums d'Arabie. Ces monnaies, dans combien de mains sont-elles passées et pour quelles denrées ont-elles été dépensées? Tous sont comme des murmures du passé. Depuis l'Antiquité, bien des étrangers ont envahi la Grèce pour voler ses œuvres d'art, piller ou détruire. À la Calypso revient l'honneur d'être un des rares navires qui a ramené à Athènes le butin des pillards. De retour à Athènes, des cales de la Calypso est remonté un éblouissant assortiment de précieux objets. Des verreries aux incrustations multicolores, des centaines de poteries et d'amphores, des fragments de marbre sculptés, des statuettes de bronze, des bijoux et des monnaies, tous soigneusement emballés dans des caisses. Georges Cavadies, secrétaire général pour la culture, est à bord pour célébrer le retour du trésor après 20 siècles d'absence. Tout sera pris en charge par le Musée national d'Athènes pour enrichir sa prodigieuse collection de chefs-d'œuvre antiques. Alors, est-ce que vous avez élucidé ce que c'est que ces pièces? Vous savez non, ce que c'est, mais on a d'autres fragments. Vous pensez que c'est du mobilier, ça? Vous avez n'importe quoi, ça? Je pense que ce sont des pièces de mobilier. Là, Nicolas Ialouris et d'autres spécialistes examinent et évaluent les trouvailles de Cousteau. Ils comparent les morceaux de mobilier en bronze avec des objets analogues représentés ou décrits dans les ouvrages de la très riche bibliothèque du musée, où sont catalogués chaque statue et chaque fragment de ses collections. Quel travail! Sous la direction de Ialouris, les statuettes péniblement arrachées à la mer à Antiquitaire sont soigneusement étalées pour être examinées par l'état-major du musée. Une fois de plus, ils étudient les socles provenant d'Antiquitaire, chacun conçu pour permettre la rotation de la statue. Morceau par morceau, chacune des pièces se voit assigner sa place dans le temps, en rapport avec le contexte historique. Vous voyez un contour circulaire? Comme ça. Oui. Les techniciens du musée apportent pour les comparer les bronzes récupérés en 1901 à Antiquitaire. Cousteau remarque que l'un des bronzes a perdu un membre. Oh ! Le bras ! Et il se souvient du petit bras. Où est-il ? Le bras. Il y a qui à celle-là ? Elle a gagné là. Le bras ! Ce petit gars. Je suis pas sûr. Une fois déployé. Ah.
Après avoir rapidement essayé de la rapprocher, Yalouris retient l'hypothèse que le bras appartient peut-être à l'ancienne trouvaille. Six mois plus tard, anxieux de suivre les travaux de restauration, Cousteau revient au musée d'Athènes, où l'attendent de remarquables nouvelles. Do we have the other statue that you had in the museum? Yes. And the arm that we found. And you remember we thought that it would fit. Is it confirmed? It is confirmed now. It fit exactly. Yes. So you intend to attach it, as soon as the arm is well cleaned? Yes. We need some more work in the conservation of the hand, of the arm. Tout d'abord, Cousteau est enchanté d'apprendre que le petit bras trouvé par la Calypso appartenait bien à la statue mutilée trouvée précédemment. Mais c'est la pile de monnaie qui est probablement la découverte la plus significative. Of great importance to us, because exactly thanks to them. As you remember, it's a column of coins, which after the cleaning, we found out that they belong to the group of coins of the city-state of Pergamon. And they are in silver? They are in silver, yes. And can we date them exactly? Yes, around 86 BC. Mm-hmm. Les monnaies sont en argent. Elles n'ont pas seulement permis de préciser l'époque de l'astrolabe. Papathanassopoulos assure qu'elles ont permis d'identifier l'origine et la date du naufrage d'antiquitaires. Révoltés contre la domination de Rome en 88 avant Jésus-Christ, la population de Pergame fut sauvagement châtiée 2 ans plus tard. Une expédition punitive pilla la ville et massacra ses habitants. Le butin, des statues, des objets d'art, des monnaies fraîchement frappées, puis embarquées sur le navire romain, qui sombra sur le chemin de retour à Antiquitaire. Ainsi, paradoxalement, c'est un naufrage qui a rendu quelques nouveaux fragments de leur héritage à la contemplation des hommes. Parfois, ces vestiges sont tellement endommagés qu'aucune restauration n'est possible. Tout ce que nous ont laissé les vers marins, ce sont de grotesques caricatures des intentions de l'artiste. Et pourtant, il reste plus de marbre que de bronze. Ornant autrefois les rues et les places des cités grecques, presque tous les bronzes ont été détruits par un ennemi plus implacable que les vers marins, l'homme. Qu'importe quelques pierres en plus ou en moins. Un bras, un bijou, une pièce de monnaie, un instrument énigmatique trouvé quelque part. Peut-être n'est-ce rien. Peut-être est-ce plus important que nous puissions jamais imaginer. Ce sont des voix dans la nuit, évoquant un lointain épisode de la brève aventure humaine. Elles parlent des civilisations qui ont surgi et disparu. Grâce à elles, nous touchons à nos secrets commencements. Les hommes et les femmes d'un passé évanoui deviennent nos compagnons. Ils marchent à nos côtés.